Nous sommes à la finale, Lorient-Bastia, finale de la Coupe de France. Ça y est, le match est terminé. Notre ami Rémi est dans les tribunes. Il a enfilé un maillot qui n'est même pas le bon de l'équipe de Lorient. Et il va se glisser au milieu des joueurs. Personne ne va s'en apercevoir. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. C'est lui. Il est là au milieu des joueurs. Et il va aller serrer la main au président de la République. Qui, d'après ce qu'il nous a dit, lui a dit qu'il avait très bien joué. Alors, il serre la main au président de la République. Mais c'est vrai que vous allez voir que tout le monde est tombé dans le panneau. Donc jusque-là, on peut se dire, bon, il a réussi à se faufiler entre les joueurs, mais ça va plus loin. Il descend sur le terrain, il passe les contrôles de sécurité. Regardez, il a des baskets, on devrait s'en apercevoir. Personne ne s'en aperçoit. Il fait partie des joueurs, il court sur le terrain, il se jette devant les photographes, il se casse un peu la figure. Et même les joueurs, c'est ça qui est fou. Là, il crie son slogan. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Il va soulever la coupe. Et moi, ce qui me tue, c'est que même les joueurs ne s'aperçoivent même pas qu'il y a un intrus au milieu. Et il va aller saluer la foule, qu'est-ce que vous croyez? Puisqu'il est là, bien sûr. Il est là, voilà, il danse avec les autres joueurs qui le tiennent dans ses bras, en se disant, tiens, un remplaçant qu'on ne connaissait pas, je ne sais pas. Un petit tour d'honneur, c'est fantastique, quand on sait, oui, quand on sait qu'il y a des barrages de sécurité incroyables. C'est incroyable. Alors là, c'est l'une de mes scènes préférées, le capitaine d'Archeville qui va le prendre dans ses bras, il est là, regardez. Personne ne s'aperçoit de rien, voilà. Petite empoignade de ce grand avant-centre qui est d'Archeville et qui a eu la très bonne idée de rejoindre les Girondins de Bordeaux cette année au passage. Et donc, c'est pas fini, vous allez le voir. Il se met face aux caméras. Notez qu'il va passer à peu près sur toutes les télés, hein, le lendemain dans les émissions sportives. Il est... Tour d'honneur. Tour d'honneur avec la coupe. Et le speaker lui donne la parole. J'ai un mot à passer à Roger Le Maire, je suis disponible. Et il repart saluer la foule. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, un dernier salut. Attendez. Un dernier salut, mais le meilleur est pour la fin. C'est que les supporters le prennent pour un joueur. Et qu'est-ce qui va se passer après cette petite holla? C'est qu'il signe des autographes. Il va même signer des autographes. Génial. Et il va signer des autographes à la fin du match. De la part de n'importe qui. Il marque n'importe qui en plus. Il signe n'importe qui. Il signe n'importe qui sur les ballons et ça n'empêche, voilà. Comme quoi avec du culot, hein, on peut faire vraiment n'importe quoi. Bravo Rémi. Ouais, c'est génial.